Demi-finale, loser, des loser brackets. Le vainqueur va jouer en finale des winners. Jouer contre le final des winners. Donc en fait, la finale loser, ensuite finale winner et la grande finale. Donc finale loser, Ryan Hart, connu, Kazuya Leo et Chopos Lee Lars. Round 1. Fight. Ryan tout de suite qui sort son pressing sur Chopos avec son Léo. D'entrée de jeu, là il faut déjà taguer. Voilà, tout de suite d'entrée de jeu. Un pressing d'entrée de jeu avec Ryan qui empêche le tag. Ryan qui va booster bien entendu son adversaire pour pouvoir le récupérer à la relevée. Un round qui, comme vous le voyez à Tekken, tag 2 va très très vite. Très vite. Kazuya qui se fait low parier par Lee. Lee qui essaie d'installer son pressing à son tour sur Kazuya. Voilà, ça joue la frame, la punition bien entendu. Avec la barre noire qui saute, donc il ne récupère pas sa vie direct derrière. Anti-step, F4, juggle. La suite, bien entendu, avec Ryan là qui doit taguer, et Ryan qui n'a pas eu le temps de taguer. Du coup, 1-1. Le low pari sur la CD4, invisible. Ça, c'est du mind game, complètement. Exactement, juggle. Le pari en une deuxième fois sur la balayette. Ça continue, le pressing. Juggle de Kazuya avec Léo. Il faut sortir, il faut taguer. Quand, comment? Punition de whiff, juggle, max damage. La possibilité de revenir. Deuxième counter. Voilà, 2-1 pour la France. Les joueurs qui se cherchent encore, qui essaient de trouver un rythme. Elle a posé chacun leur tour, leur pressing. Ryan revient fort. Ça va très très vite, c'était Tekken Tag 2. Juggle raté, attention, punition. Ryan est beaucoup plus content dans cette juggle. CD4. Ça va très vite. Très bonne rentrée, anti-tag. Deux joueurs qui essaient d'instaurer un pressing très offensif. Il n'y a pas vraiment de zonage. Counter, juggle. Tout de suite, moitié de barre. La rage, il faut sortir pour Ryan. Deux, c'est très serré. Punition de whiff. Et ça continue. Oh là, attention, ça commence à avoir des difficultés des deux côtés. On hésite. Voilà. Oh, 1-0 pour la France. Match, vous voyez, très serré. Première manche, Chopos. Premier à 3.
Get ready for the next. Je vais me prendre le fil. Ils remettent tout de suite sur le même terrain, ça repart. Petite balayette tout de suite d'entrée de jeu. Voilà, très bonne, très bon suivi de Kazuya Dryan. Très bon jeu là, encore une fois. Lars s'enrage, attention, contrée en UF4. Léo est là. Nouveau UF4. Trois launchers depuis le début du round. Quatrième launcher. Attention. Attention. 1-1. Un temps plus calme pour les joueurs qui s'observent un peu plus. Ah, Ryan trouve l'ouverture sur le jeu de Chopos. Deuxième ouverture, deuxième launcher. Il va falloir taguer. Oh là, c'était risqué mais c'est passé. Oh là là. Troisième launcher, ça tag, ça repart. Et encore une fois, ça repasse. Ryan qui commence à voir un peu mieux le jeu de son adversaire. La rentrée pour lui. Et un partout. Un partout, premier à trois. Get ready for the next battle. Les joueurs commencent à être fatigués aussi de cette longue journée. Il va falloir trouver des ressources pour surprendre son adversaire. Balayette rendue, un prêté pour un rendu, une balayette de chaque côté. Un pressing qui s'installe. Anti-step. Joli, très belle face. Et voilà, 1-0 pour Chopos. Les joueurs s'observent, ils savent qu'on arrive à des moments importants dans le match. Yeah.
Punition pour le tag, c'est le principe de Tekken Tag 2. Savoir quand taguer pour ne pas se faire attraper par son adversaire. Là, effectivement, ici, ça n'a pas été le cas. Chopos qui commence à maîtriser un peu plus le jeu de Ryan. Ryan qui tente un peu plus. Oh, attention, attention. Ryan qui sacrifie sa barre. Ryan sacrifie sa barre. Oh là, attention. Attention, 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 ça va aller très très vite. Deux secondes, trois secondes, deux secondes, une seconde. Time out, 2-0. Bien vu de la part de Chopos. Ryan revient plus fort. Tout de suite, juggle, Kazuya, Léo, ça fait mal. Ça fait mal, comme dans Tekken Tag, beaucoup de juggles font mal. Quand près des murs, c'est juste... Il faut être très rapide, très réactif. Et bien anticiper le jeu de ton adversaire pour pas justement prendre beaucoup trop dans la figure. Oh, attention, attention. Rebelote, attention. Il faut taguer, bien vu. Une occasion pour te revenir au même niveau de vie de son adversaire. C'est presque fait. Ryan ne lâche pas le morceau. Très bon jeu, 3-2. 2-1, la France mène 2-1 à nouveau contre l'Angleterre. Deux un pour la France. Ryan a un temps d'hésitation et se décide à passer à ça a changé de ton deuxième personnage. Jouait plus Mishima. Il a vu que les électriques passaient bien sur son adversaire et la Teamachi Kazuya est très très violente aussi en combo. Personnage que Ryan connaît très bien aussi puisqu'il utilise bien les Mishima bien entendu. Un vrai duel de Mishima. Round one. Fight. Get ready for the next round. C'est beau, c'est joli, c'est prêt, c'est bien fait, c'est très bien fait. Oui, bonne sortie. On y croit, allez, allez. C'est très bon. Ryan qui commence à essayer de commence à poser des questions par rapport à ce qu'il est en train de faire. On le sent pas à l'aise, Ekeachi, clairement. Voilà. Kazuya qui rentre, mais ça va pas être suffisant apparemment. Oh, attention. Ah ouais. Voilà, dans le WS1 qui passe, on sait pas d'où, mais il est passé. Fazon, ça réfléchit. Je pose à une carte à jouer. Il mène. Ryan se pose des questions. C'est maintenant qu'il faut y aller. Conserver son avance et réussir à terminer maintenant, c'est ça le plus important. Exactement. Alors là, il lui prend le cerveau, là. Oh là, attention, attention. Il dit pas son dernier mot, hein. On a un champion en face. Attention, attention. Ryan qui refuse de se baisser à toutes les fans de WS. Systématiquement. Une chop, première chop de Ryan depuis le début du match, des trois matchs. Je suppose qu'il en fait très rarement aussi d'ailleurs. Et tout est possible à Tekken Tag 2, tout est possible. Oh là là, oh là là. 1-1, on s'accroche. Attention, attention, il faut pas whiffer là, il faut pas whiffer, voilà, exactement. Voilà, maintenant il faut y aller.
Exactement, on a envie que la France gagne quand même, hein. Allez, allez. La faiblesse des Hachis, c'est son punish en relevé. Soit c'est l'électrique, ou soit c'est rien du tout parce qu'il a pas de launcher sinon en WS, contrairement à beaucoup d'autres Mishima. Là, ça, c'était risqué, parce que attention, avec Ryan, c'est le roi de la punition en électrique. Oh, très belle remontée. 2-1, à un round de la victoire, à un round. Un round de la victoire. Oui, c'était, ah, ça c'était osé ça, il fallait le faire. Ryan qui commence à prendre plus de risques parce qu'il dit que finalement, il n'a plus rien à perdre. Exactement, et il le fait très très bien. Oh là là, attention, cette rentrée là a été un peu dangereuse. Lee en rage, qui est un personnage de Poe qui n'est pas excellent forcément pour launcher, mais... Et voilà, attention, attention. Lars Kazuya, les frères ennemis. C'est superbe, c'est superbe. Attention, comment cela va se finir? C'est fini. Et on aura effectivement 3 Français. Bravo à Ryan Hart. Well done, Ryan. You're still a great opponent as usual. Great game, thank you guys, merci à vous deux.